Bonjour, bonsoir, on coupe la musique sur les droits d'auteur, ah oui, oh, ah là là! Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces petites cordes là? December 2018? Qui reprend des mages? J'ai mode faire des mages? Je joue avec toi ou c'est du stream stalk? Non, en fait, le stream stalk, c'est à partir du moment où tu te sers de mon stream pour me retrouver et nuire à mon gameplay, on va dire. Ou alors, genre, tu viens, tu fais after, je te kiffe, tout comme ça, tu vois. Ou alors, par exemple, imaginons, je suis mafieux, un braquage de banque, et hop, comme par hasard, il y a deux flics devant la banque qui nous attendent, qui nous contrôlent, tu vois, des trucs comme ça. C'est des mecs qui servent du stream pour nuire, on va dire. Alors, attendez, oh, venez, ah! On va essayer de retrouver les fautes d'orthographe. Ceci est une dictature. Printer interdit. Printer, je pense qu'on met qu'un S vu qu'il y a plusieurs printers. Les armes avec un S sont légales qu'avec licence. Oh, parler au maire, il faut montre carte d'identité. Par la caméra jusqu'à qu'on vous appelle pour entrer. En cas de couvre-feu, toute personne dehors sera abattue. Avec 3 sommations. Mais il a 3 ans. Oh, le maire a tous les droits. Les policiers ont leur droit de garder leur arme. Les citoyens ont pas le droit de donner des ordres supérieurs. La licence d'armes coûte 1000 euros. Ah, j'ai des larmes tellement que j'ai mal. J'ai 2 semaines que tu es pas venu, 2 semaines que ça a changé. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es censé partir manger. Ça. Agent secret, armée, bague, banquier. Ah, moi je suis quelqu'un qui a du mal à choisir. Quoi, de la poste? Ah, bah attendez, fais les postiers gentils. Est-ce qu'ils marchent les postiers, vous pensez? Oh putain, prix 5000, prix de vente 7500. Waouh. Ah, d'accord, faut que je. Oh, merde. J'ai fait faire tomber mon PC. Ok, les gars, va me falloir le meilleur postier de toute la ville. Oui, oui. Alors. Je dois aller où par contre? Je sais pas. Je sais pas où je dois aller. 1 hour later. Ah putain, faut que je trouve la station essence du coup, mais elle est où? Attends. Demi-tour! Pas le temps. De toute façon, y a pas la police, pas les couilles. Poste. Ah! Bonjour? Ah! Toi là! C'est peut-être lui là. Notre véhicule n'est pas assez proche. Ah! Mais je trouve comment le garage? Hein? Ah, on découvre, hein. Je peux les crabouiller. Oh! Alors, psychopathe. Ah, je peux. Est-ce que je peux me mettre en déguise kit en médecin? Ouais, je peux. Voilà. On va voir ma petite cabinet. On va se mettre là. Putain! Déjà, on va couvrir les fenêtres. Parce que, hey. On a des personnes qui veut dire voilà quoi, nous on est là contre la vidéo, regardez Playag. Attendez, on va trouver des meilleurs matériaux quand même. Moi bon, je veux dire, moi je tiens à me préciser quand même quoi, on est là pour protéger le client, alors faut cacher les fenêtres. Maybe, ah voilà, un truc comme ça je pense. Voilà. Ouais, non, c'est pas un professionnel. Moi, il me faut plus grave. Voilà. Administration, bonsoir Alex. Est-ce que tu peux changer de nom RP, s'il te plaît? Eh ben, fais peur, je suis qui parle à moi. Genre, t'as pas le droit de faire voler les trucs. Là, ça va être mon fauteuil. Je vais écouter le patient. Je suis à l'écoute. Le patient est en option. Ouais, bah, c'est bon, le patient tout, il est là. Regarde. Il marche même pas en plus. Auto-aligne. Regarde, hop, il est bon, t'es content. Salaud. Oh, des. Oh, j'avais pas vu ça. Désolé, mais ça part. Et encore mieux ici. Que demande le peuple? On a un bon gros fauteuil bien moelleux pour moi. Je vais prendre un bon gros canapé bien moche pour les mecs. Il y a une secrétaire, tu lui fais un bureau. Mais oui! Mais là, c'est pour ça, j'ai déjà quelqu'un tout. Putain, mais. Allez, contrôle de la banque! Bah, va au contrôle de la banque et bah, casse pas les couilles. Bon, du coup, Chou, tu veux te mettre en. Tu veux te. Mon assistant? Ouais, ok. Regarde s'il y a une place en psychopathe. Oui? Bonjour. Bonjour. Je viens pour savoir si vous. Qu'est-ce que vous faites par ici?
Ah. Bonjour monsieur. Eh ben... Bonjour monsieur, monsieur. Vous êtes de la sécurité, j'ai vu ça sur votre dos. Bonjour. Ok, tu bouges plus, tu viens. Ah, t'es alors, bon courage monsieur l'agent. Bonne journée, je n'ai rien vu. Au revoir, monsieur. Oh, il y a Robocop à côté de moi. Il a un policier en otage. Faites attention. Il a un policier en otage. Ouais, c'est bon, on gère, t'inquiète. Monsieur, vous êtes beau. Oui, on a compris. Ok. Enferme-toi chez toi. Bah, je suis bien enfermé chez moi, monsieur. Du coup, faudrait. Quand il y a des gens qui arrivent et tout à queue, machin, tu dis rendez-vous et tout, et moi je vois si j'ai du monde. Par contre, après, du coup, je vais les tuer. Hein. Bah, merci, je suis quoi. Et puis, t'auras droit à. Genre, par contre, faut un prix, du coup. Hein? Faut un prix, du coup, la consultation. Bah, on va pas faire ça gratuitement, moi j'ai envie de gagner de l'argent aussi. Et toi aussi, j'imagine. Non, en vrai, 250, mais non, on fait un petit 1000 balles. Il faut quand même gagner dans cette affaire. On fait 1000 et on fait moite-moite. Ok. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît, c'est une question de vie de mort. Là-bas, il y a des tueurs en série. S'il vous plaît. Bah, hey, là, tu rentres dans le mauvais truc. C'est pas vrai, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bah, il y a là. Otage. Oh. Hey, il est rentré dans mon comptoir. Embarquez-le. Eh oui, bonne journée. Putain, il a bugué mes portes. Le tâche, il vient de se barrer. Bonjour, je voulais savoir si vous avez besoin d'un garde du corps. Oh. Bon, non, ça va, j'ai déjà ma secrétaire, je pense que ça ira. Ah, quoique, attendez. D'accord. Bon, attendez. Vous êtes armé ou pas? Oui. Pas mal. D'accord. Est-ce que, en échange, que dis-je, en même temps que vous fassiez votre boulot, vous pouvez en même temps aller dans la rue et dire que ici on fait un très joli psychologue et tout. Vous serez payé, bien sûr. Pourquoi pas. Genre, en plus de surveiller ma sécurité et celle de ma femme, et ben vous pourriez faire du bouche à oreille, quoi. Ramener du monde, comme on dit. D'accord, pas de souci. Et vous serez payé à votre juste part, évidemment. Allez, d'accord, bah ça marche. Ah bah super, et bah enchanté. Sinon, comme arme, je possède cela. Oui, voilà. Voilà. C'est un bon calibre. Donc, mon grand-père avait le même en 1945. Ça devait être un grand homme. Ah, c'était un grand homme. Eh bien, je vais faire de la pub. Ça marche, merci. Vous dites bien que c'est le meilleur psychologue de la ville. Ah, aussi, c'est 1000 euros la consultation, au cas où. Si jamais, il demande le prix. Oula. Pas sûr qu'il y ait des clients. Bon. On verra alors. Ok, bah dites pas le prix. On verra sur le tas. Ok. Bisous sur ton crâne. Mouah. Il est gentil. C'est un bonhomme lui. Bon, Chou, tu peux t'asseoir sur la chaise si tu veux. Et quand il y a quelqu'un, il faut que tu sois convaincante. Hein. Attends. On a tout fait pour que ça marche alors. Normalement. C'est bon. Voilà, ok. Comment on écrit psychologue? C'est sérieux? Ah oui, il y a un H là, c'est bon. C'est juste que là, je n'arrive pas à mettre. Psychologue ouvert. Parler de vos problèmes. Et je les résous. Situé en face de la banque. Bonne journée. Range ton arme, Chou. Si quelqu'un rentre, on n'est pas dans la merde. Mais non, tu as fermé la clé normalement. Non, c'est pas fermé la clé, non. C'est pour que les clients puissent rentrer. Ah ouais, d'accord, ok. Je viens me présenter au garde du corps de la ville. Déjà, putain. Je me présente à l'officier Gordon. Je viens pour savoir si vous recrutez les gardes du corps. C'était moi le fameux otage. Je sais pas si vous m'avez dit. Ah oui. J'ai déjà vu le crâne chauve. Vous semblez avoir un problème de famille quand même. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui est chauve et qui pense. Bonjour, monsieur l'agent. Donc il y a beaucoup de monsieur l'agent devant la banque là. Très problématique. Vendez ici tout simplement. Ah, nous sommes psychologues. Regardez, cette charmante dame qui est ma femme est secrétaire et moi, évidemment, je suis le psychologue en question. Alors, est-ce que je peux travailler? Ben oui, d'accord, je vais juste vous poser une. Je sais pas, parce que je vois qu'il y a des agents de police qui viennent. Ah, ben on a déjà un garde du corps. On a déjà pris un garde du corps. Et... s'il vous plaît, avec il est juste le là. Psychologue. Merci beaucoup. C'est mon nouveau garde du corps crâne chaude, évidemment, team crâne chaude. Je connais des trucs comme ça. Et il est très très doué. Du coup, bah désolé, mais nous avons déjà. Voilà. Et par contre, vous pouvez partir de mon magasin, monsieur, là, s'il vous plaît, vous commencez à obstruer le passage. J'ai
un psychologue. Ah, comme par hasard. Oui, mais vous ne restez pas dans le passage, monsieur, s'il vous plaît. Sinon. Bon, vous prenez rendez-vous avec ma secrétaire, c'est besoin d'aller me voir et. Il faut régler le prix énoncé. Tu dis combien comme prix, toi? 1000 balles, allez, 1000 balles parce qu'il est chiant. Alors, oui, le rendez-vous, il sera. Pour. Vous avez des disponibilités, toi, quand? Bah, maintenant. Hein? Maintenant, je suis là. On peut vous prendre maintenant, mais ça sera 1000 euros. Pourquoi pas 10 000? Bah, 10 000 alors. Et vous qui voyez, comme vous voulez. Voilà, tu fais E. Psychologue. Bah, monsieur, allez sur le canapé. Il a vraiment donné 10 000? Oui, il m'a vraiment donné. Non, il m'a donné. Non, alors, pas sur le fauteuil, monsieur, ça c'est ma place. Il va falloir aller dans le. C'est bon, je sais. Faut aller dans le fauteuil bleu, pas le rouge. Oui, il est confortable, bah c'est justement parce que je m'assois dessus qu'il est confortable. Mais il faudra aller sur le canapé bleu. Alors. C'est surtout pour votre crâne. Oui, c'est pour mon crâne, pour que la lumière reflète bien dessus, pour qu'il y ait un effet. Je me passe les portes, Chou, parce que là, il y a une porte qui est buggée. Oui. Alors, racontez-moi tout. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il semblait que vous avez déjà été pris en otage. Peut-être un rapport, peut-être? Les gilets jaunes, maybe. Ah oui, depuis que j'ai vu cette porte dans l'appartement des prénoms de ça, je me sens mal. Ah. Je suis nausée. J'ai des vertiges. Ah, alors, quand vous étiez petit, est-ce que vous êtes pris une porte ou quelque chose en rapport avec une porte ou une poignée peut-être? Il me semble que j'ai déjà avalé une porte. Vous avez déjà avalé une porte? Ok. Vous avez consulté un médecin peut-être? Ah oui. Ah, et quel a été? Ah. D'accord, donc vous avez un problème avec les portes. Par exemple, le fait qu'il y ait une porte ici, ça vous dérange en quoi? Si jamais je me lève, comme ça, vous avez des vertiges? Tout cassé. Ah, d'accord. Donc vous êtes prise de violence, quoi. Est-ce que vous avez été abusée quand vous étiez petit? Je sais pas, votre famille qui vous tapait ou quelque chose comme ça? La porte, peut-être? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. C'est plus pratique pour la consultation. Bon, non, généralement, ça soit dans le canapé et pas sur le canapé. C'est le seul problème que vous avez constaté depuis cette porte ou là, alors la prise d'otage vous a révélé cette chose? Je peux vous dire que je sais pas m'asseoir. Je sais très bien m'asseoir. Oui, vous savez vous asseoir, monsieur, c'est bien. Mais est-ce que vous savez ouvrir une porte? Bah, dès que j'ouvre une porte, D'accord. Alors, monsieur, arrêtez 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. Assoyez-vous encore une fois. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, calmez-vous. Monsieur. Ça va aller. J'ai la situation bien à la main alors. Bon, écoutez, monsieur, on va faire un petit exercice. Très simple. Ah, je pourrais avoir. Est-ce que vous connaissez 1, 2, 3 soleil? Oui. D'accord. Alors, vous allez avoir le rôle de la personne contre le mur qui va faire 1, 2, 3 soleil. Quand vous allez vous retourner, il faudra donc que je ne bouge plus. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, on va commencer. Vous allez vous mettre sur ce mur qui est ici. Et vous mettez au fond. C'est ça. Et vous faites 1, 2, 3 soleil, j'avance et j'essaie de venir vers vous le plus rapidement possible. Lorsque je vous touche, vous avez perdu. Et là, la disparition de la porte vaincra. 1, 2, 3, j'aime les portes. Il a pas. Pardon? Vous avez dit quelque chose qui semble me. Plus je me rapproche et plus j'ai peur de vous. J'ai envie de lui lancer un harpon dans la tronche. Tu veux lui lancer un harpon? Ouais. Ok, t'es prête? Il est tellement pas prêt. Ok. D'accord. Alors monsieur, on va jouer comment à un nouveau jeu. Comment on lance avec le clic droit? Clic gauche. Il est tellement pas prêt. Attendez. Keypad. Attendez. Chou. Alors, vous voyez la porte? Cette porte ici là. Vous allez vous positionner juste devant. Voilà, est-ce que vous avez peur de la porte? Monsieur, s'il vous plaît, continuons l'exercice. Allez devant cette porte. Vous devez le faire. C'est un pas très grand à faire. Ayez confiance en moi. Vous auriez... dites-vous qu'à la fin, vous avez quand même un bon bœuf bourguignon bien mérité. Allez devant cette porte. Ouais, parce que sinon, je vais me faire avoir. T'inquiète. Voilà. Voilà. Je mange direct. Alors, vous restez comme ça. Et à 10, vous allez voir, je vais dire porte. Et la porte... elle va totalement disparaître de votre esprit. Vous êtes prêts? Il se passe quelque chose d'étrange. Il fait beau. 3. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, lâchez ça. Le monsieur bougez plus. Mettez-vous contre le mur, les mains. Eh merde, putain, j'ai pas vu la porte. Il se passe quoi? Chou, tu peux intervenir ou pas? Attendez, il se passe un peu n'importe quoi là.
Monsieur, monsieur, asseyez-vous sur la... Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Ah bah y'a un peu un film qui m'a un peu vu. Avec mon harpon dans la main. C'est bon. Monsieur, revenez pour la consultation. Bon, du coup, je vais attendre, du coup. Ah putain, mais c'est chaud, là. Bah ouais, mais bon, sinon, on va. Bon, monsieur, monsieur, tout va bien aller, tout va bien aller. Retournez près de la porte. Monsieur, je pense que pour des raisons de sécurité, il serait mieux de me laisser rentrer. D'accord, ça va aller. Retournez devant la porte, on va recontinuer l'exercice. Chou, t'es prêt avec ton harpon ou pas? Ouais. Ok, t'es prête? Bon, allez, on continue, alors. 3, là, vous commencez à sentir que tout va bien. 4, cette porte va s'ouvrir. Et 5, vous allez mourir. Bonne journée, monsieur. Le mec, il a rien compris, là, Olivier. Bonjour, monsieur. Et je suis dedans. J'ai oublié de t'expliquer un peu. Chou, va voir le voir s'il y a personne qui rentre. En gros, que je vous explique un peu. Il y a des gens qui écoutent, j'aime pas ça. Tout va bien, hein. Vous ne risquez rien. C'est abominable ce que vous faites, monsieur. Fais gaffe, il y a des flics jusqu'au milieu. Ok. Tout va bien, vous inquiétez pas, vous risquez rien. Je fais mon travail de psychologue. Tout se passe bien. Ok, mais okay. C'était vraiment obligatoire de faire ça. Bah c'est pour qu'ils se sentent mieux. Et je dis pas ça parce qu'on est écouté par des milliards de flics. Disons que là, ils se sentiront mieux, mais dans un autre monde. Ah, mais non, il a juste retrouvé sa famille. Ne vous inquiétez pas, il aura plus peur des portes. Ferme-la, il y a la police devant la porte. Bon, du coup, Chou, t'as eu 10 000? Non, j'ai eu 1 000. Il t'a donné que 1 000 ou 10 000? Bah, 1, 0, 0, 0, 0. Bah, 10 000 alors s'il y a 4 0. Non, il y a 3 0. Ah, bah, il t'a donné que 1 000 alors. Oui, bah voilà. Monsieur, est-ce que je peux vous parler en privé dans la salle là où vous faites... Oui, bien sûr. Faites attention, il y a un peu de taches rouges par terre. Craquage de couilles. Alors, je pense que, vu que j'ai compris que malheureusement, cela a été évident que le business était de ramener des gens pour les faire partir de ce monde et les ramener dans un monde meilleur et surtout faire de l'argent. Je pense que ce serait bien que je me mette en braqueur et que j'amène des gens ici un peu par force, vous voyez ce que je veux dire. Ah, je vois. Eh bah écoute, super, bonne idée, franchement, ouais. Ça sera une séance de psy obligatoire. Je laisse mon AK-47 ici, je vais changer de métier, je vais partir au Pôle emploi juste quelques secondes et d'accord, je ça marche. Bah écoute, faites donc. Alex Gordon. Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il nous suspecte, alors que bah jamais. Il suspecte quoi? Il a vu des choses bizarres chez le psychologue. Bah il a rien vu lui. Ah par contre c'est pas RP ça. Non mais peut-être que... Si c'est peut-être lui qui m'a vu tout à l'heure. Mais non, c'est lui qu'on a tué. C'est lui qu'on a tué justement. Bonjour monsieur. En même temps vu ta gueule c'est un peu normal hein. Par contre monsieur s'il vous plaît, vous traitez quelqu'un de mieux comme ça non? Il a peut-être une histoire triste derrière. Putain tu vas te taire. Oh monsieur, je suis psychologue de région parisienne. Ce SDF n'a rien demandé. Il demande qu'une petite pièce. Ok, alors je vous explique. Ah, là, il y a mon cabinet, un copain à moi, qui fait des problèmes assez tenaces, si vous voulez, des problèmes de famille, des problèmes, voilà. Et il aime bien faire découvrir un nouveau monde à ces gens qui ont besoin de... Il est con. ...dans le cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez... Autant rien ce cabinet, c'est pas de soucis, c'est pas cher. Si vous voulez, je peux même le faire gratuit. Y'a pas de soucis. Juste vous faites une petite consultation parce que là, je vous sens pas bien dans le bain, vous voyez, comme ça. Et au moins, vous êtes sûr, vous repartez du bon pied. Est-ce que c'est pas de problème? Allez-y, je me suis. Oh. Allez, c'est parti, je vais. Bonjour, je suis le psychologue Otaku. Il y a des personnes qui sont un peu malades mentales, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ah, je les opère, celui-là. Attends, on va voir ce qu'il fait. Coup, bah, forcément, voilà, ils ont besoin de... Tu fais quoi? Recule. Oula. Mais rien, j'ai rien fait, monsieur. C'est quoi ce bordel? Allez, déjà, pourquoi t'essayes de passer derrière moi? Moi, je... Je ne veux pas passer derrière vous, monsieur. Mais je suis... Là, là, monsieur. Monsieur, calmez-vous. C'est après. Bah.
Ouais, devant tout le monde. Non, je confirme, il a vraiment sorti son album, lui. J'ai un otage. Ah, putain, ça va. Ah, mais non, putain. Lâche ma femme. La putain. Tu bouges pas, mets-toi devant. Ah. Attends, mais je suis bloqué. Il a ma femme en otage. Ouais. Merci. Tu as sauvé ma femme. Bon, là, on est à la merde, par contre. Oui, fortement. Aidez-moi. Monsieur, lâchez votre arme, sinon on va devoir... J'ai pas d'arme. Pas toi, il a dit super RP. Vous lâchez votre arme en premier. Monsieur. Mais non. Y'a pas de l'argent par terre. C'est qui ça? Oh non, le serveur a planté ou c'est moi? Non, y'a pas que toi, y'a moi. Anya. Warning, connection lost. Anya. Ce n'est qu'un au revoir, j'ai mode ce n'est. Il a bugué. You said I was a piece of art. You decided to paint my heart. But you colored it.